sur place. On avait des idées, mais pas toutes. On en avait quelques-unes. Le responsable du service social départemental à l'époque, il gérait en même temps, il supervisait les centres sociaux. Il était convaincu que pour que ça fonctionne bien, il fallait qu'il y ait du personnel permanent qui habite au centre, de façon à être à la disposition des gens tout le temps. Je venais de réparer le toit. On pouvait habiter dedans. Alors la MSA l'a pris en main, a construit des parties qui étaient à refaire. Donc on s'est installé là. On a débuté avec pas beaucoup d'activités, uniquement les soins à domicile. Et puis au fur et à mesure, on a rajouté des activités qui semblent utiles. Si bien qu'actuellement, ça devient quelque chose d'important. Au début, ça fonctionnait comme ça. Je n'étais pas président du centre social, c'était M. Preluru. Et bon, il avait toutes les qualités qui étaient nécessaires pour développer ce centre social. Et il l'a fait d'une façon intelligente. Il y a eu des progrès avec le centre social tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sur 40 ans d'activité, vous verrez 40 ans où il y aura une recherche de quelque chose de nouveau, d'intéressant. Je pense que le canton, les endroits où nous étions, nous avions besoin, surtout à cette époque, pour les personnes âgées qui se trouvaient entièrement seules, et les jeunes mamans aussi qui se trouvaient seules avec des enfants, sans aide, sans rien. Je pense que pour moi, c'était ces deux catégories de gens, à cette époque, qui en avaient le plus besoin. J'étais infirmière depuis 1974 sur le secteur. Donc j'avais recensé quelques besoins et j'avais vraiment envie de m'investir auprès de cette population. J'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont fait confiance. Hein. Donc mon premier président, M. Bourluru, et également ma responsable de service, Mademoiselle Barrault. Je dirais que le centre social, c'est une aventure. 40 ans d'aventure à l'écoute, à la recherche de l'amélioration de la qualité de vie des habitants, toutes générations confondues. J'ai pu voir se mettre en place des idées nouvelles, se développer des actions culturelles, d'animation et diverses formes d'aide toujours en faveur de soutien aux familles. Ça a été un soulagement de se sentir épaulé, voilà. De moins se sentir seul. Parce que c'est toujours ce que j'ai reproché à l'agriculture. Peut-être qu'ailleurs c'était pareil, mais je ne connaissais pas le métier des autres. Mais on était quand même souvent seul. Et la femme n'avait pas tellement de rôle. Et je crois que ça a permis aux femmes de s'épanouir, d'avoir quelqu'un qui vous comprenait et qui vous aidait. Un jour, l'ancien président est venu me voir et m'a demandé si j'acceptais d'être candidat à sa succession. Ce fut une grande surprise et un pas à franchir. Se dire, est-ce que je peux suivre depuis les origines, les valeurs qui ont été les nôtres. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je suis à la hauteur? Et donc ça a été un challenge pour moi. Je m'y suis engagé à fond. Avec les administrateurs, nous avons réussi à créer une dynamique forte. Une dynamique à laquelle les salariés, David Sack au premier chef, mais avec l'ensemble des salariés, on est bien ensemble. On travaille bien au développement des mêmes valeurs. On veut des valeurs en action. Donc c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours et qui continue de m'animer.
s'appuie sur ce qu'ont bâti les anciens et puis on essaie de développer les choses. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, on va tous dans le même sens, quoi. Et qu'on soit ancien administrateur ou plus jeune administrateur, tout le monde n'a qu'une idée en tête, c'est de faire perdurer le projet Centre Social, de le faire évoluer et de le pérenniser. Nous étions souvent amenés à parler des valeurs du centre, du développement du centre, de l'avenir, etc. Et je me suis sentie attirée de plus en plus par l'envie d'être bénévole. Et puis ça correspondait vraiment à mes valeurs, d'agir sur un territoire qui était le mien, autre qu'au travers d'un travail. Et là, c'était simplement avoir une parole aussi beaucoup plus libre. Je suis rentré il y a 20 ans. On m'avait demandé, Michel Marquet, le président, et la directrice Claude Métainier, m'ont demandé de venir créer au niveau de la jeunesse quelque chose de vivant. On a créé des associations jeunes, etc., organisé des forums. Ça a été un tout en fait par rapport à ça, et puis une dynamique qui s'est créée au niveau du territoire. On a eu quand même plus de 800 personnes qui sont venues à ce forum jeune. Et suite à ça, il y a eu des demandes au niveau de cette jeunesse, et notamment au niveau d'une radio. Et on a donc pendant presque 2 ans organisé, géré toute la partie administrative pour pouvoir faire cette radio. Remonter le temps, quand on a créé cette animation jeunesse, eh bien, c'était les demandes de nos jeunes de notre territoire. Ça m'a créé des nuits où je dormais pas très bien, ou des barrages, des marrages. Les choses ont évolué, hein. Le centre social a pris d'autres missions, a élargi son projet jeune. Les administrateurs ont fait le choix d'intensifier les activités. On a commencé à développer notamment les actions interculturelles à travers la conduite d'échanges de jeunes et d'échanges internationaux. Ce n'est pas les administrateurs d'un côté et les salariés de l'autre, c'est une équipe, c'est 2 équipes en une seule équipe et finalement on travaille tous dans le même sens. Donc mon travail c'est de trouver les talents, d'essayer de les mobiliser, de faire émerger les idées, les projets qu'ont les uns et les autres et puis de les faire travailler ensemble. En s'appuyant bien entendu sur les besoins du territoire, la richesse des habitants de notre territoire, les richesses aussi culturelles, patrimoniales, architecturales, enfin tout ce qu'on peut trouver sur notre territoire. Et Dieu sait qu'il est riche, donc voilà, il faut s'appuyer sur tout ça, mettre tout ça en synergie et puis arriver à développer un projet social tous les 4 ans. Et ça jusqu'à présent, c'est du plaisir. Il continue là, puisque je vois, il fait le trail ou le trail, comment ça se... Le travail, ça c'était pas prévu sûrement. Tout à l'heure avec beaucoup de plaisir, un joli peloton qui s'étire le long de la Sûre.
Je pense que cet échange nous permet à nous de découvrir la France, les vraies facettes de la vie française, et de pouvoir chez nous aussi montrer aux jeunes que voilà, c'est avec rien qu'on peut commencer à construire vraiment quelque chose de solide, de vrai. Et ces échanges nous permettent aussi de se connaître, de se comprendre, de s'aimer entre nous, d'avoir des liens d'amitié. En 2013, le centre social d'Evreuil, du Donjon et de Saint-Cœur, sont venus à Guécor dans notre village avec 10 animateurs pour faire de l'échange interculturel. Dans ce projet, on est toutes super motivées et impliquées. On espère qu'il va aboutir. 13 participent aux activités tout au long de l'année. C'est déjà bien d'avoir cette participation-là. De ce groupe-là, qui représente une demi-classe. Je pense que cette ouverture à l'autre, cet engagement vis-à-vis de l'autre, quel qu'il soit, se retrouvera. C'est une réflexion qui est semée, qui démarre petit à petit, mais qui aboutira à quelque chose d'autre à un moment, soit de leur scolarité, soit de leur parcours professionnel ou personnel. Et ça aussi, je crois que c'est très important. Ça fourmille, ça grouille. C'est surtout aux chevilles ouvrières que je pense, c'est aux fourmis du centre. Et les fourmis du centre, ce sont les salariés. Ils sont là, ils proposent, et c'est fait en plus dans la convivialité, dans la bonne humeur. Et c'est vraiment eux qui sont les piliers du centre. Tout seul, même avec l'équipe d'administrateurs et même avec l'équipe de salariés, on est trop peu, on est trop peu de choses. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher les gens et de leur dire, venez travailler avec nous. Pour moi, l'avenir par rapport au centre social, c'est osons. Donc c'est ce mot. Il faut avoir du culot. Simplement dire 40 ans, c'est un très bel âge. Beaucoup de personnes autour de moi m'en parlent. Donc je veux bien les croire. On vous attend, on a besoin de vous, mais voilà, on est là. Venez.